la faim se propage, et alors que la faim se propage, les systèmes alimentaires existants s'effondrent. Nous travaillons depuis le 7 octobre avec 23 boulangeries et qui permettaient de fournir du pain à 200 000 personnes dans les abris de l'ONU. Et malheureusement, depuis le vendredi 10 novembre, la dernière boulangerie a fermé ses portes en raison du manque de carburant que nous constatons donc à l'intérieur de Gaza. Nous constatons aussi que les stocks alimentaires des magasins s'épuisent à grande vitesse. Et pour être tout à fait concret, aujourd'hui, la nourriture auquel ont accès les 2,2 millions de personnes, c'est quasiment la totalité de la population de Gaza, qui ont désormais besoin d'une aide alimentaire, doivent se contenter d'aliments en conserve. Car sans eau potable ni gaz pour cuisiner, ils n'ont pas d'autre option. Les opérateurs humanitaires dans le pays ont des difficultés à accéder aux personnes dans le besoin par manque de carburant et aussi en raison de l'insécurité. Et donc, même si des vivres rentrent à l'intérieur de Gaza, il est difficile pour nous d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, que ce soit au sein des communautés. Nous espérons pouvoir atteindre 1,1 million de personnes dans les 60 prochains jours à Gaza et en Cisjordanie.